stay with a cheating millionaire boyfriend or be with a broke loyal guy? Keep it 100, that's, man. That's a hard one, huh? Keep it 100. Broken, loyal, or cheating? He's giving you the lifestyle. He's amazing, great connection, but from time to time, he steps out and cheats. But is it it's like an open relationship? Yeah, is this open relationship? No, close on your end, open on his end. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pu la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer. Tu connais déjà même petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si ce jour à toi, chill, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un hack, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Dedans, tu as les bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir dans l'immobilier, investir dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a d'autre, personal branding. En plus de ça, tu peux aussi avoir accès via le CPF à Pirate Marketing qui donne accès à l'incubateur. Et dans l'incubateur, tu as un bootcamp où tu auras un plan, tu auras du coaching, tu auras ça, des capsules, tu auras, ils vont te donner un plan d'action sur 90 jours, tu verras tout ce qui est structure juridique, comment tu dois commencer, parce que souvent, on pose des questions comme ça, ouais, alors je fais comment, c'est SAS, comment, alors, non, mais tu auras tout ça. Donc bref, si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel, il est offert, il est gratuit. Hein, donc, c'est sans engagement, les gars. Et voilà. Hein. Et puis après, si jamais tu prends Pirate Marketing, sache que ça prendra du temps, c'est-à-dire 2 à 5 ans, ce qui n'est pas si long que ça. J'ai envie de te dire sur une vie pour pouvoir devenir indépendant financièrement, selon moi. Les gens qui trouvent que c'est long, fais autrement alors. Il y en a, ils font docteur, ça prend 10 ans. Là, tu as 5 ans, tu es indépendant financièrement. Je sais pas. Des fois, on n'utilise pas. J'ai l'impression que des fois, tout n'est pas connecté. Tout n'est pas connecté. On se fait avoir par les croyances populaires de la société et on perd de vue le résultat. Ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Mais sinon, tu peux continuer à avoir des excuses. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc les gars, lors d'un podcast, il y a un gars qui a posé la fameuse question. Est-ce que tu préfères avoir un gars qui est millionnaire ou un gars qui est pauvre, mais qui est fidèle? Donc ouais, j'ai oublié de dire, ouais, donc. Ouais, donc j'ai oublié de dire, ouais, non, c'est, la question c'est, est-ce que tu préfères avoir un millionnaire qui va te tromper, toi, tranquille, de temps en temps, ou tu préfères être avec un gars pauvre, mais qui te sera fidèle? Donc je te laisse regarder la vidéo, on en rediscute. You stay with a cheating millionaire boyfriend or be with a broke loyal guy? Keep it 100, that's, man. That's a hard one, huh? Keep it 100. Broken, loyal, or cheating? He's giving you the lifestyle, he's amazing, great connection, but from time to time, he steps out and cheats. But is it it's like an open relationship? Yeah, is this open relationship? No, close on your end, open on his end. That's Why can't I have fun? No. Why he gotta be broke? This is hard. Come on now, come on. Can we phone a friend? No. Don't look at her. She can't help you. So the connection's there. The connection's there on both sides, but he's just broke and... The other guy's giving you everything you want. He just, from time to time, I'll take the millionaire that cheats. I'm taking the cheater too. Yeah. Because we living good. Yeah. And this shows, y'all, this shows that if a man's value is high enough, he will be shared. No. It's not ideal. Yes, ladies, high value men have other women. Always have, always will. I don't know why modern women think that you should be the first group of women who have less wifely skills, less traditional ability, and yet you want strict monogamy. No, you're not enough. You're not enough, sorry. Because what about on the days when you're not feeling it? If you just, you know, I'm on my cycle, I'm this, I'm that, I'm tired or whatever, whatever. Okay. Well, should he pay the mortgage if he don't feel like it? Donc ça, je sais que c'est des choses que les gars, des fois, ils ont du mal à encaisser. L'hypergamie, les gars, ne perd jamais. Voilà. L'hypergamie ne perd jamais. Il y a plein de gars qui vont dire, ouais, mais comment ça se fait? Moi, je suis gentil, je suis ceci. J'entends trop de fois ça. Moi, je suis gentil, moi, je suis ceci. Pourquoi il a préféré lui? Parce que c'est l'hypergamie qui a parlé. C'est à la fin, c'est toujours l'hypergamie qui parle.
Ça veut dire que là, maintenant, elle préfère même avoir un gars qui est millionnaire et que, genre, ça se passe bien, etc. Le gars, il la trompe de temps en temps, qu'être avec un gars. Parce que là, quand il dit broke, tout ça, en vérité, les meufs, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois cette question posée, même broke, ils disent broke, ben en vérité, ils pensent plus, genre, les meufs, elles voient un gars average. Ça veut dire un gars, genre, moyen. Genre, qui a un salaire moyen. Tu vois, c'est pour elles, elles ont la même vision. Donc, ça veut dire qu'elles préfèrent être avec un millionnaire qui va les tromper qu'être avec un gars normal qui leur sera fidèle. Et après, j'ai même pas fait cette vidéo pour rentrer sur le débat de genre, est-ce que c'est normal que les gars ils trompent, que les gars ils trompent pas, ou enfin, je sais pas, c'est même pas dans le débat. Pour moi, c'est juste un constat depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. Tous les hommes de pouvoir qui ont du statut, qui ont de l'influence, ont toujours eu des maîtresses. Les femmes ont toujours été au courant, c'est juste que bah, ça reste discret, on n'en parle pas. Voilà, y a que, je pense que c'est Jay-Z s'est fait un peu cramer, voilà, pourtant Beyoncé est restée. Bon, c'est, ça a toujours existé, ça existera toujours depuis la nuit des temps, depuis le début de l'humanité, ça a toujours existé. Les femmes d'aujourd'hui qui sont pas forcément d'accord avec ça, en fait, il n'y a pas à être d'accord ou pas, c'est juste des faits. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est un autre sujet. J'ai envie de te dire, que ce soit bien ou pas, le débat n'a même pas lieu d'être, puisque de toute façon, c'est ce qui se fait. Est-ce que tu préfères vivre dans comment la vie devrait être, ou comment les choses devraient être, ou comment les choses sont? Après, est-ce que ça veut dire que tous les gars, genre High Value Men ou les millionnaires, ne sont pas fidèles? Je pense pas, je pense qu'il y en a qui sont fidèles, mais c'est vraiment un très faible pourcentage. Et puis même pour mettre fin à ce débat de genre, ouais, comment ça, les millionnaires, ils peuvent pas être fidèles, ou je sais pas quoi, mais même les gars normaux, ils sont... Des gars normaux trompent. Parce que je veux dire, de quoi tu parles? Donc un gars qui a encore plus d'options, lui non. Donc souvent quand ils ont ce genre de débat, c'est plus pour dire, parce que les filles, comme aujourd'hui toutes les femmes veulent des millionnaires, voilà, c'est comme ça, à cause d'Instagram. Voilà. Laver le cerveau, oui, mais tout le monde mérite un millionnaire. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont dans la désillusion. Même les 5 veulent un millionnaire. Et en plus, elles veulent un millionnaire qui est fidèle. Donc bon, là on commence à vraiment être... Ça, je pense que ça a toujours existé, personne n'en a jamais parlé, personne n'en parlait jamais, mais comme ça fait des vues, maintenant on en parle. Parce que depuis la nuit des temps, je pense que les hommes ont toujours compris que, que dire la vérité n'avait pas forcément d'intérêt, si jamais ça heurte le feeling des gens, tu vois, comme c'est le cas pour par exemple ça. Mais là où je vais en venir avec cette vidéo, c'est surtout pour mettre l'accent sur l'hypergamie. C'est-à-dire que la femme, elle est tellement hypergame, elle fonctionne tellement comme ça, que ce soit conscient ou inconsciemment, tu vois. Elle est tellement attirée par les gars qui ont plus de statut, plus d'argent, qui procurent plus de sécurité financière, émotionnelle, tout ce que tu veux, qu'elles sont prêtes à accepter d'être même avec un gars qui va la tromper. Bon, du coup, tu me diras, si jamais... C'est pas vraiment trompé, finalement, si jamais elle est au courant. Si jamais le gars, il la met au courant, que genre, c'est une relation ouverte, mais seulement de mon côté, toi, c'est fermé, bon, ben, tout le monde est au courant. Il n'y a pas de secret, donc c'est pas forcément trompé finalement. Mais du coup, tu vois, ce genre de choses, elle va l'accepter si jamais tu es millionnaire. Si jamais tu es un gars normal, elle n'acceptera jamais ça. Donc en gros, ça a juste montré que plus tu as du statut, bah, plus elle sera enclin à accepter, à faire des concessions. D'où pourquoi il est important de travailler sur toi. D'où pourquoi je fais des vidéos, ce genre de vidéos, pour rappeler que, ok les gars, vous voulez toutes des femmes, etc. Et c'est normal, tout le monde veut une femme et être bien, être heureux, et se sentir aimé, il n'y a pas de souci pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu ne veux pas avoir de problème, surtout dans les moments modernes, avec les femmes modernes d'aujourd'hui, si tu ne connais pas la nature féminine, donc les Zeus, c'est en description les gars, hein, si jamais tu ne travailles pas sur toi, tu vas juste te compliquer la vie sur le marché du dating, et même en relation long terme. Parce que imagine... Est-ce qu'il y a énormément de gars, il y a des stats qui sont sortis par rapport à ça, des études, qu'il y a énormément de gars qui n'arrivent même pas à pouvoir rentrer en intimité avec leur propre femme. Ou sinon, c'est très rare, c'est peut-être une fois par mois. Si jamais tu travailles sur toi, si jamais même les femmes, si jamais elles sont prêtes à accepter un millionnaire qui va les voir ailleurs, à plus forte raison, si toi tu as travaillé sur toi et que tu lui es fidèle, elle n'aura jamais mal à la tête le soir. Donc c'était juste pour mettre l'accent là-dessus. L'hypergamie ne perd jamais. Tu ne peux pas être personne et attendre des résultats. Tu ne peux pas aujourd'hui rester juste moyen. Tu vois, il faut que dans les yeux de ta partenaire ou de la personne avec qui tu échanges, si jamais tu n'es pas encore en couple avec elle, il faut qu'elle te perçoive comme « Ah, j'ai mis une carotte d'être avec lui ». Si jamais elle se dit « Ah, c'est lui qui a de la chance d'être avec moi », c'est cuit. Ça, là, il y aura des mal de tête. Là, ça va commencer à t'insulter. Là, ça va commencer, comment ça, les chaussettes, elles sont machin. Comment ça, c'est sûr.
C'est sûr et certain. Ça te prend des trucs comme ça? Non. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.